Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis trop impatiente de déballer avec vous mon cadeau d'anniversaire en avance. Et vous allez voir ce que c'est. Alors, je l'ai reçu cet après-midi. On est le... C'est en avance, hein, mon anniversaire, parce que on est le 6 et mon anniversaire, c'est le 22. Mais c'est pas grave. Vous avez deviné? Comme ça, vous allez mieux voir. Une tablette. Alors, j'en ai jamais eu un mot, en fait. Parce que je fais tout généralement avec mon téléphone. Elle est alors, c'est la Lookitel OT5 qui a 36 Go de RAM, 12, je sais plus comment on dit, 12 virtuels ou et 24 de RAM et 256 Go de mémoire. Ça, c'est pas mal. Oh, elle est déjà dans. Oh, c'est impressionnant ça. Elle est à l'envers dans le. Ah non, ils l'ont déjà mise. Je suis bête. Ils l'ont déjà mise dans une housse. Il va falloir que j'enlève la protection. Ça, c'est génial quand même d'avoir déjà une housse de protection. C'est vraiment pas mal. Super caméra. Enfin, c'est marrant de voir les circuits imprimés comme ça. C'est pas commun. La tablette, la notice. Un stylet. Pas mal. C'est rigolo. Et un crayon. Alors par contre, ça, je suis moins fan parce que moi, je vais être du genre à ouvrir et à pas voir que c'est le stylet. Et je vais sur l'écran, je vais prendre le stylo au lieu du stylet. Ce serait vraiment quelque chose que je serais capable de faire. La prise chargeur avec une USB-C. Alors voyons voir. Bon, j'ai deux mains gauches, hein, ne riez pas parce que. Voilà. Oh, c'est pas mal, hein. Super. Je me suis en plus déjà équipée avec un petit clavier de chez Action. La petite souris qui l'accompagne. Mais alors, la petite souris. Étant donné, je ne sais pas si ça va être possible, étant donné qu'il y a un port USB, j'ai pensé à mettre une rallonge USB-C pour mettre la petite souris. Je verrai bien si ça fonctionne ou pas, je vous dirai. En tout cas, moi, j'ai essayé sur mon téléphone avec la rallonge, ça fonctionnait. Donc, on va voir. Parce que souvent, quand je fais des colos, parfois, j'ai des images de référence et j'utilise mon téléphone, mais quand je regarde tout le temps l'image de référence, après, je peux plus utiliser mon téléphone. Donc, c'est pour ça que je voulais une tablette. En plus, je l'ai vraiment pas payée cher. Elle m'a coûté. Alors, elle était à. Ah oui, j'ai mon téléphone ici. Je vous dirai ça en commentaire. Il me semble qu'elle m'a coûté 329 moins 50 €. Je crois que c'était 2, ouais, 250, 279 ou 269. Donc, je suis vraiment contente. Alors, ici, il y a USB-C. Le bouton marche. C'est dommage, j'aime bien qu'il y ait un film protecteur dessus, mais
Ah, je crois qu'il y en a un en plus. Ouais. Je sais pas si vous allez voir. Mais je pense qu'il y en a un en plus. Parce qu'ici, il y a une petite bulle d'air. Voyez? Ah, voilà, vous la voyez. Donc, il me semble qu'il doit avoir un film protecteur. Alors, évidemment, je ne suis pas française. Je ne suis pas anglaise. Je suis française. Oh, zut. Ça y est. Je fais des bêtises. Français, oui. C'est bon. Français, France, voilà. Commencez. Alors, je vais mettre pause pour me connecter à mon réseau et je vous reviens. Et voilà. Après avoir mis enfin, pardon, ma Wi-Fi, entrée, ma clé réseau, tout ça. Ça a copié mon compte Google, évidemment, hein, vous savez. Voyons voir. Je vous dis qu'un jour, je vais me tromper. C'est vraiment super. Ah oui, ça fait comme vraiment comme un téléphone. La fille qui découvre une tablette. Oui, c'est moi. Suis tellement habituée au téléphone. Il y a une super résolution. Alors, par contre, je suis tellement, oui, habituée à mon téléphone. Voilà, je cherche où sont les applications. D'accord. Mise à jour, installation des applis. Allez. Bah dis donc, je ne suis pas douée. Comment on fait pour revenir? Bon, va falloir que j'apprenne. À en servir. Alors. Je sais, je suis hors cadre. Je vais essayer de faire ça vite, mais je pense que comme on est en train d'installer les applications, je ne peux plus rien faire. Rotation automatique. Ok. C'est bizarre. Ouais, je pense que c'est peut-être parce qu'elle est en train de finir, mais... Bon, je vais la laisser terminer d'installer les applications. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour une précédente vidéo, quand je l'aurai un peu prise en main. En attendant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai colorié une Chibi Girl. Alors, on va pas se mentir, elle est. J'ai vu celui de Zazou en vidéo. Alors, j'ai pas vu ce qu'elle a fait à la fin et je voulais vraiment pas faire comme elle, mais avant de toute façon de voir sa vidéo, j'avais vu ce colo et je voulais la faire bleu et or. C'était obligé pour moi. Mais en fait, donc comme Zazou l'avait fait en bleu, moi je l'ai fait en turquoise. Alors, et j'ai fait ses cheveux bruns, ses yeux verts. Donc c'est un peu différent. Le drap n'est pas terminé, je dois. C'est juste mon fond, j'en suis pas certaine. C'est dommage, c'est qu'en photo, les colos ne rentrent pas bien. On ne voit pas bien. Alors ici, on voit un peu les couleurs qui sont. Comment dire? Pas été métal. Non, pas métallique. En fait, c'est du hybride, donc vous savez comment c'est le hybride et ça fait un peu oui, pailleté finalement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle ressort bleue alors qu'elle n'est pas bleue. Je commence à perdre ma voix, ça y est. Elle est turquoise. Et j'arrive même pas à vous donner à vous faire voir le bon coloris.
Elle est turquoise, et donc ça tire plus sur le vert que sur le bleu, et à la caméra ça rend bleu. Peut-être en photo j'arriverai mieux à vous montrer. Ouais, c'est impressionnant que ça donne pas la bonne couleur. Bon, c'est pas très grave, voilà. Je suis plutôt contente hein, du résultat. Alors au départ, j'aimais pas ce livre, Chibi Girl, parce qu'il faut. Quand, la toute première fois que je l'ai eu, c'est le premier colo que j'ai fait dedans. C'est celui-ci, je l'avais posté sur le groupe. Attendez que je le retrouve. Non, ça c'est en cours. Voilà. J'avais posté celui-ci et c'était vraiment à mes débuts. Je ne savais pas qu'il fallait faire au feutre à alcool. À l'époque, j'avais pas de feutre à alcool. J'avais fait tout. Alors ici, c'était l'aquarelle nacrée de chez Action. Ici, c'était stylo gel. J'avais fait vraiment au crayon de couleur et ça rendait pas. C'était pas top quoi. Et maintenant que j'ai découvert les feutres à alcool, comme j'ai fait ici pour l'indienne, j'ai commencé à apprécier le livre. Et j'espère que je vais retourner dedans sûrement très vite. Parce qu'avec mes feutres à alcool, je ne peux pas faire beaucoup de colos, à part les blocs. Voilà. Donc, je reviens vers vous avec une prochaine vidéo. J'avais dans l'optique de vous faire un room tour ou de vous montrer plus précisément mes nuanciers. Je vais y réfléchir et je pense que demain, je vais essayer de vous tourner ça. Et comme ça, j'aurai pris en main la tablette et je reviendrai vers vous pour savoir comment elle est, enfin, ses qualités, ses défauts, tout ce que je peux en penser. Cherche un peu mes mots ce soir, désolé. Bonne soirée à tous et à très vite. Bisous!